beaucoup de tout. On est vendredi, ouais. On est vendredi, oui. Chris, je peux ouvrir un vlog. Oui, bonjour le vlog. Bonjour le vlog. Alors, comme d'habitude, on est dans le métro. Et on fait des putains de... Et voilà, je suis avec Chris. On est vendredi et là on s'apprête à aller manger. Il voulait faire une surprise qui a échoué comme d'habitude. Je devinais direct qu'on allait manger une poutine, je sais pas comment j'ai fait. Déjà pourquoi tu casses le truc? Non mais c'est bon. Donc là ben, on va y aller, c'est pas trop loin bébé. C'est une demi-heure. On va y aller. Et ça que je voulais vous dire, il y avait plein de trucs que je voulais vous raconter. Ouais, samedi prochain je serai au salon. Au salon des Afriques Unies, je vous mettrai le visuel quelque part sur l'écran. Donc venez, ça va être trop bien. Chris aussi sera là. Donc si vous êtes sur Paris, je vous mettrai l'adresse et tout en barre d'infos. Si vous êtes sur Paris, ce serait bien que vous puissiez venir. Vous puissiez sort quand mercredi. Oh, que vous puissiez venir, comme ça on se rencontrera. Et puis ça a l'air trop cool l'événement. Donc voilà, le 3 novembre, donc là la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, vous en pensez quoi de si je fais Miss Côte d'Ivoire France? Est-ce que c'est une bonne idée? Franchement, c'est ahurissant. Hein. Regardez mes cuissons. Mais bon, mes cuissons, elles vont chauffer. Dites-moi si vous serez derrière moi. Qu'est-ce que je voulais raconter? Ce qui s'est passé hier dans le bus. Tu t'en souviens ou pas? Le mec il parlait trop mal. Ah, je l'ai pas vu, je sais pas si elle est sortie. Franchement, j'étais trop contente hier dans le bus. Est-ce que j'ai entendu? Très bien. Ouais. En gros, il y a un homme qui parlait trop mal à une dame et tout. Et à un monsieur qui l'a défendu et qui a dit aux gars, ouais, fermez vos gueules sinon vous sortez du bus et tout. Vous n'avez pas parlé comme ça à la dame. J'étais trop contente. C'est bien qu'il existe encore des gens comme ça. Il y avait aussi une histoire que genre, le bus il était blindé. Il y a des gens, ils voulaient pas laisser entrer une personne qui était en fauteuil roulant. Le chauffeur du bus, il a dit allez, t'amuses, tout le monde descend. Il a fait rentrer que le gars, les autres ils devaient attendre celui d'après. T'étais là? Non, j'étais pas là. Ah, t'avais vu ça sur internet? Non, c'est passé dans le journal. Ils ont dit ouais, une belle leçon de civisme pour les Parisiens. Mais ici, ils ont pas de but. Bébé, regarde nos bouches. Regarde ta bouche. Toi, encore ça va. Chris, son nouveau style, c'est toujours mettre un t-shirt blanc. Fais voir ce qu'il met. Son nouveau style, bon écoutez, on fait avec hein. C'est pas un t-shirt blanc. C'est un t-shirt blanc Uniqlo. Ouais, et ça la veste, ça c'était quoi déjà? La marque? Ouais, c'est Bershka non? Non, Pull&Bear. Après, il a mis des chaussures. Pour une fois, moi je suis pas en basket. Ça change. Du coup, on fait la même taille. Presque. Pas de... On est où là alors? Il est seul. Ouais. Nettoie les abonnés. C'est bon, c'est bon, ils sont propres. Merci. Ok. Vous avez les boissons derrière. Ok. Et vous avez les formules de mes. Ah ok, d'accord. Le poutine de jour, c'est une poutine avec poulet, mais poulet au sauce barbecue. Ok. Le burger, c'est une poitrine de poulet grillé avec bacon. Ok. J'ai envie de tout manger. Et le pâte. Je suis désolé, mais il fait pas la pâte. Oh ok, c'est pas grave. D'accord. Donc là, on va choisir. Mais moi, je suis un peu rassurée. Non mais oui, mais c'est l'européen des... Vous avez entendu ou pas l'accent, hein? Ouais, du coup, j'ai pas dit où on était, les amours, vous avez dû voir. On est au... j'ai oublié le nom. Je mousse au démon. Voilà, de toute façon on mettra toute l'information en barre d'infos. Et donc là, on va regarder un peu ce qu'il y a. Mais ça a l'air très bon. J'ai pris un vin blanc. Des alcooliques. Et Chris, il a pris 3 litres de bière. Ils avaient plus grand, hein. Ils avaient, ça devait être, tu vois, les gros trucs là, les grosses shops. Ouais, avec les verres. Des trucs comme en Bavière. Dites-moi en commentaire quel alcool vous aimez bien. Ouais, ne pas boire. Déjà, il faut leur rappeler que c'est dangereux pour la santé. Je vais mettre, tu sais, le message qu'ils mettent dans, à la télé là, qui défile là. Manger pas de fruits et légumes, le but d'alcool est dangereux pour la santé. Je vais mettre ça. Mon feu, c'est. Elle est vachement, j'aime bien. Elle est vachement douce par rapport à toutes les scènes. Ouais, c'est pas trop amer, c'est pas. Là, elle posait des questions, elle disait amer ou pas, moi je dis non, pas trop amer. Non, mais moi j'aime pas, quand c'est trop amer, c'est écœurant. Genre, je bois jusqu'à la fin parce que je l'ai payé, mais sinon voilà quoi, c'est tout. Non, elle est douce, hein. Je veux dire qu'il n'y a pas d'alcool dedans. C'était quoi comme viande?
l'époque il y avait des trucs comme ça. Mangerai des morceaux de jambon. Bah ouais, des morceaux de jambon. Ah. Bon app. Moi je suis presque à la moitié. Chris il a bientôt fini. Ah il me sort le cookies. Ah voilà. Mais on n'aime pas la poutine. Non, c'est pas qu'on n'aime pas, mais c'est qu'on on pensait qu'on allait adorer. Ouais, mais on pensait que c'était grave. Genre, sur le paradis, tu aimes comment? Genre, tu aimes. Ah, après, c'est ton paradis. Ouais. Moi, je mets 6. Généreux. Non, mais j'aime bien. Mais c'est pas. Moi, je mets 4. Ah, c'est-à-dire que tu veux même pas la moyenne, c'est pas mauvais. Non, je mets pas la. Non, mais c'est mauvais. Hein? Pas bon? Ah, toi, ton poulet, il est sec, genre, vas-y. Poulet sec. Je vais goûter parce que franchement, j'avais trop envie de me sentir en mode canadienne et tout. C'est pas bon. C'est non. Je vais pouvoir manger un truc comme ça. Ah, franchement, on est là même. Désolé à tous nos compatriotes canadiens. On n'aime pas la poutine. Bon, on n'aime pas leur poutine d'ici. Peut-être qu'au Québec, elle est peut-être excellente. Là, ici, et pourtant, c'est. Apparemment, les amis sont bons et tout. Hein, mais nous. J'aurais dû manger des alocos. Ça passe toujours les alocos. On a mangé un petit tilapia là, avec de la tiquée. Je te jure. Une petite sauce avec. Alors là, on aurait été bien. Ici, m'emmène encore chez Uniqlo. Ça va, ça a changé. Avant, à Lille, on n'achetait jamais rien. Ouais. Tout était nul. Uniqlo, Lille, vous êtes nul. Toujours chez Uniqlo, toujours. Dites-le en commentaire. Change un peu, Chris. Change. Bon, change. Ah, il y a des soldes, mon amour. Il y a des soldes. Regardez. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien être un truc comme ça, genre. Au lieu de 499. C'est sexy bébé. Ah mais en plus c'est les collections qui sont bien, c'est les plus. Là je suis en train d'attendre. Chris il essaye un jean. On va voir si ça lui va bien. Voir. Dites-nous ce que vous en pensez mais. C'est trop balèze. Ouais, c'est trop balèze. Chris, il prend pas ça, c'est mort. C'est balèze. Ah ? Le mannequin à l'entrée. Ouais. Il avait un truc, tu vois, il arrive comme ça. Moi, je vois un pantalon qui arrive comme ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais on dirait même t'as volé ça à ton père. C'est trop balèze, on prend pas. Je l'ai mis sur les chaussures, t'as encore pire, regarde. Regarde sur les chaussures. Attends, on va. Ah ouais. Non, on prend pas ça, c'est mort. Désolé bébé. Bon, mes amours, il est 19h. On est rentré dans les coups de 17h avec Chris. Je vous aurais mis quelques petits plans, on a fait un peu de shopping. Mais finalement, Chris, il a rien trouvé. Mais regardez ce qu'on a trouvé chez Zara. Je vais montrer mon sein. C'est un ensemble avec un pantalon comme ça, pas def. Je sais pas si vous voyez. Ouais, et avec le haut qui va avec. Le pantalon, je l'ai eu pour 19,90€ et le haut pareil. Donc l'ensemble à moins de 40€. Et ce que j'ai pris, c'est que en bas, j'ai pris en M. Et c'est très bien. Et c'est très confortable. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais c'est une matière un peu côtelée et tout ça. C'est super confortable et le haut j'ai pris en taille S. Donc voilà. Donc moi je pense que je le porterai avec un petit nœud. Comme ça vous savez. Et vous pouvez porter autrement. Je suis trop contente. Donc on dit merci Chris. Je suis trop contente. C'est trop beau. Dites moi ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que c'est trop beau. Regardez. Et ça tient trop chaud. Donc voilà, si vous êtes intéressés les filles. Il y avait plusieurs couleurs. À mon cœur, il y avait quoi comme couleur? Il y avait marron, genre marron clair. Et une autre couleur aussi, je crois que c'est kaki ou un truc comme ça. Donc voilà. Voilà, je suis trop contente, il est trop beau. Et franchement, ça met bien en valeur et tout. C'est bien resserré à la taille. Et c'est parfait pour moi parce que moi, j'ai une taille fine. Du coup, ça met bien en valeur ma taille. Donc là en fait ce qu'on voulait faire de base c'était que on voulait ressortir
Mais le problème c'est que il pleut, il fait super moche. Et de toute façon Chris il a la flemme. Mais sauf qu'on n'a pas fait les courses. On n'a pas fait les courses et son frigo je vais vous montrer. Hey. Frigo étudiant ma gueule. Que dalle. Il n'y a rien dans son frigo. Il veut qu'on commande encore à manger mais pff, moi j'ai pas envie. Je vous avoue que la poutine elle nous a... Elle nous a laissé un coup dans le dans l'estomac. Donc on verra. Et je suis trop contente bébé. C'est trop beau. Ça me va bien ou pas? Est-ce que ça me fait des belles fesses? C'est trop bien. Merci Bim pour la tenue. Merci mon bébé. Oh. T'es beau. Oh je suis beau. Merci mon amour. Donc voilà mes cœurs. De toute façon je vous reprends après s'il se passe quelque chose. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais mon maquillage dans un état. Je suis de retour. Les bijoux. J'ai dit bijoux. Ah. Bijoux. Voilà. Cool, là je suis trop contente parce qu'on va manger au McDo. Un Happy Meal. Non je suis trop contente parce que j'aime trop les Happy Meal. Et c'est juste à côté de chez Chris. Mais il faut qu'on fasse un gros là. On commence à faire un programme pour notre mariage. Oh ouais. Et vous savez que je danse juste pour ça. Parce qu'on va manger. Hey. Les droits d'auteur. On se reprend après. Monte ta danse bébé. Attends. C'est quoi ça? Il fait grave ça, il ouais. Ah, baby, je trouvais des jeans magnifiques. Regardez la casquette que j'ai achetée à Chris. Mais tu me l'as acheté il y a un an. Bah oui, mais tu la mets jamais, eux l'ont jamais vu. C'est une AP. Ça sent les frites. Ouais, ça sent le KFC. On va pas aller à KFC, quoi. Oh non, on va pas au KFC. J'ai envie d'un. Ah, mon oncle. Ah, mon oncle. J'ai envie d'un Happy Meal. Putain, fais chier. Bonsoir, ils sont pas tous. Et t'as pas répondu? Non. Mais les gens, c'est vraiment des connards, bébé. Tu devrais même plus dire bonjour à personne. Encore prendre la personne, c'est du personnel. Mais ouais. T'es trop beau, bébé. Je suis ton paparazzi, mon cœur. Attends, mon paparazzi. Arrêtez. Nos photos. Nos photos. Donc en fait là, on marche même pas 300 mètres et juste à côté de chez Chris. Pas 300 mètres, parce que 300 mètres pour aller au Carrefour. Ouais, juste à côté de chez Chris en fait, il y a, je sais pas comment dire, il y a un cinéma et tout et un McDo. Donc on va aller là-bas. Après, ben on rentre, on regarde la série. Bah ouais, sauf que bon, c'est pas dérangeant, mais moi, je suis pas encore bilingue, tu vois. Oh, ouais, mais mon amour, si t'es bilingue. J'ai vu qu'il y a des termes un peu juridiques. Arrête. Voilà. Quand t'avais appris l'anglais avec Barack Obama, t'étais bilingue. Barack. Oui, mais c'est parce que Barack, tu vois. Ouais, lui, il apprend l'anglais kényan aussi. Bah oui, sur ouais. Cet accent. C'est ça. C'est facile à. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Mais l'anglais américain, c'est pas pareil. C'est pas bon. Bon. Après, c'est vrai que. Je sais pas. Avec le sous-titre. Non, sans sous-titres, ils n'ont pas encore sorti avec les sous-titres. Ça, c'est notre vraie différence taille. Normalement. Sans talons. Donc voilà. En fait, c'est en même temps un cinéma et tout. J'espère que cette fois-ci, il y aura des McFlurry. La dernière fois qu'on était passé des fois, on était sorti du ciné. Ouais, on voulait prendre un McFlurry. Chris l'avait pété un pont. Parce qu'il n'y avait pas de McFlurry, le mec, il faisait la gueule. T'as failli te casser la gueule. Heureusement que j'ai pas filmé ça mon amour, tu perdrais toute crédibilité. Ouais c'est hors de prix. 3,40€ le McFlurry. Nous on prend. Quoi, moi je prends spéculoos bébé. Hein. Toi t'aimes bien Oreo? Ouais j'aime bien l'Oreo.
Mais en fait, ça fait tellement longtemps, mais mon préféré. Non, bébé, prends pas pareil que moi. Ah, bah non, prends un spéculoos. Mais moi, j'aime pas les autres. Hein. Moi, je mangerai spéculoos sans toi. Hein. Bah, prends spéculoos comme moi, alors, si tu veux. Oh, ça fait 3,60. Parce que moi, j'ai pas partagé mon masque. Ah, j'arrive pas à me concentrer. Fragile. Non, mais par contre, on voudrait pousser un coup de gueule, Chris et moi. Dis-leur, bébé. C'est cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Non mais moi, les McFlurry. Je sais pas si on a ici combien, le connu. Il y a une époque c'était à 2 euros. 2 euros. Là, avant c'était 3,20. Ouais. Je me rappelle quand on y allait à 2, c'était 2,90€ plus les 30 ou 20 centimes de nappage. Maintenant c'est 4 balles. Et moi j'ai pris 2 Happy Meal. Un Happy Meal croque et un Happy Meal nuggets. Du coup vous prenez quoi comme ça? C'est que vos nuggets, moi je prends la sauce chinoise. Et Chris lui a pris 2 croques. C'est vrai que c'est hors de prix. Hein. On est rentré là, je me suis mis en tenue pour manger. Et regardez, on a pris 2 Happy Meal, mais ils nous ont mis des boissons en 50. Je suis choquée, bébé. On va trop bien manger. Donc on vous dit bon app et on vous dit à tout à l'heure. Attends, donne-moi. C'est une blague. Ils nous ont mis aussi 2 petites boissons en plus. Attendez. Alors, ils nous ont mis 2 de 50. Non mais et 2 de 25. Là, il y a ton Happy Meal à toi, avec tes boissons, et ils nous ont juste mis 2 boissons en plus, quoi. Bah écoute. Ouais, merci pour le litre de contact gratuit, les gars. Bah voilà, on se payait que c'était trop cher, bah voilà. On a 2 boissons en plus. C'est bon ça, en fait, t'as des surprises maintenant. Ouais, ils font des surprises. Ah bah c'est génial. Bah génial. Non, mais attends. Non mais c'est Chris, pas... regarde. Attends, je vais raconter, bébé. Mais déjà, on a payé 19 euros, on râlait. On râlait. C'est cher. Et tu vois, on vous a dit, on a eu 2 grosses boissons gratuites en plus. Et on avait on a 2,25 dans nos menus. Et sur les boissons, vas-y, dis. Il y avait des petits trucs à gagner, là, vous savez. Voilà, je vais vous montrer. Sur les boissons, il y avait ça. Et c'est pas Chris, il gagne quoi? Moi j'ai gagné un maxi best. Un menu maxi best. Ah le menu. Un menu avec la boisson 50 et les frites. Bon après on a perdu les 3 autres. Ouais bon les autres c'est pas grave. Et après attends. Non mais attends. Après je me suis dit vas-y on avait deux sachets. Je finis le premier sachet, mais ça fait la poubelle quoi. Je prends le deuxième sachet, je me dis vas-y. Bah là quand même pas offert des autres trucs, je regarde. Et en plus quand tu dis, attends, après quand tu, attends bébé, délit, je vois la Happy Meal. Attends, quand tu dis elle va pas mettre des trucs gratuits, je dis non mais bébé abuse pas non plus. Je dis vas-y, je regarde, je vois quoi. Ah. Je me dis vas-y, elle a mis deux boissons, je regarde en dessous, je vois quoi. Un deuxième donut, mais c'est pas possible hein. Franchement elle nous a offert tout ce qu'on a payé quoi, limite hein. Mais ouais. Mais en plus j'ai jamais goûté moi des donuts dans ma vie hein. Mais c'était des... En plus c'était là tu râlais en mode... Bah attends. Ouais ils m'ont pas mis une nugget en plus. Là ils nous ont offert un repas carrément là. Je sais pas si foutaient les meufs en plus elle... Mais c'était débordé hein. Elles ont voulu nous mettre bien peut-être hein. Non c'est même pas possible. Elles ont voulu nous... Bah hey, c'était débordé les meufs, elles se sont dit c'est quoi. Bah c'est tout ce que je trouve je le mets dedans. Non mais bébé, si y a encore des trucs je pète un câble hein. Non y'a pas rien. C'est n'importe quoi. Oh mais vraiment. Ouais, ça, je la garde. Oh, monsieur Patate. Je la pose. Tu vas le garder, mon amour. Ah, ouais, au lieu de le jeter. Monsieur Patate. Bah, oui, c'était les jouets hommes. Enfin, jouets garçon. Non, mais bébé, c'est too much là. Il est où l'autre paquet de lapin? Il y a le jeu, celui-là. Ah, le jeu, c'était le livre dedans. Ouais, l'autre, c'était un livre. Bon bah écoutez, on va bouffer encore hein. Les McFlurry. Là on va prendre les McFlurry d'abord. Bah ouais, les donuts ça peut attendre. Ouais, on va les manger après. Dans la soirée, bah. Oh, mais toujours plus cas, mais franchement merci. En tout cas McDonald's à quoi boulevard, vous avez été long. Vous étiez mais débordés. Franchement donc, qu'est-ce qu'on vous aime. Faites ça comme ça tout le temps. Bah ouais tout le temps, franchement nous on est partant. Franchement vous êtes parfaits, changez pas. Bon, on va devoir vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à laisser des commentaires, à liker, à partager et à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et voilà, nous on vous dit bonne nuit, on vous dit à très bientôt dans un nouveau vlog. Tchuss.